Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler du cas de Scott Lang qui est assez bizarre dans Avengers Endgame. En quoi son cas est bizarre au juste? Bon, déjà, remettons les choses dans leur contexte. Pendant que les Avengers affrontent Thanos au Wakanda, Scott Lang, Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, ignorant ce qu'il se passe, décident de ramener de l'énergie quantique qui pourrait être très utile. A l'aide du tunnel quantique, Scott va être plongé dans le monde quantique pour récupérer de l'énergie. Hope, Hank et Janet assurent la communication avec lui. Et la guêpe envoie donc Ant-Man en mode subatomique. Petit bémol, Thanos claque des doigts juste après que Scott soit envoyé dans le monde quantique et le trio qui assurait le retour de Scott tombe tous en poussière. Scott devient donc prisonnier du monde subatomique. Donc c'est bien normal si on se demande comment il a fait pour se sortir de ce caca. Et puis cette scène est assez étrange étant donné qu'il va au QG des Vengeurs avec justement la camionnette transportant le tunnel quantique. De plus, il a l'air assez heureux pour quelqu'un qui vient de perdre sa meuf et son mentor. Mais le plus étrange, c'est qu'il s'agit d'un vieux message car on peut voir qu'il est écrit archive en haut de la vidéo. Du coup, avec cette scène, on peut penser à beaucoup de théories. On pourrait penser par exemple qu'il s'agirait d'un Skrull, mais le problème, c'est qu'un Skrull ne peut prendre l'apparence que d'une personne qu'il a déjà vue. Ça voudrait dire qu'un Skrull aurait déjà rencontré Ant-Man et que juste après que celui-ci soit entré dans le monde quantique, il aurait piqué sa camionnette et se serait rendu au QG des Avengers. Mais même en imaginant ça, comment le Skrull pourrait-il être au courant que Scott s'est battu avec Captain America il y a quelques années dans un aéroport? Perso, je vois pas comment le Skrull pourrait être au courant de tout ça. Et puis après, on peut penser que c'est réellement un vieux message et que Scott l'a envoyé juste avant d'entrer dans le monde subatomique. Le problème, c'est que ça voudrait dire qu'il a fait San Francisco, New York, juste pour annoncer aux Avengers qu'il a une nouvelle énergie, l'énergie quantique, et que vu qu'ils lui ont pas ouvert la porte, il aurait fait New York, San Francisco, et serait donc après refait le monde, le voyage subatomique, etc. Ça fait quand même un peu cher le voyage pour rien, non? Et puis même, on sait depuis Ant-Man 1 que Hank Pym se méfie beaucoup des Avengers, donc à aucun moment il aurait laissé Scott dévoiler tout ça aux Vengeurs. Et puis pourquoi Scott serait parti juste pour leur dire ça? C'est un peu débile, non? Ensuite, comme aux théories, on peut penser que Scott serait vraiment revenu dans le monde normal, grâce notamment à un dispositif de secours. Parce qu'à aucun moment, à la fin d'Ant-Man 2, il est souligné que Scott est bloqué dans le monde quantique. Donc peut-être qu'il a un dispositif de secours. Et puis un dispositif de secours, quand tu te rends en terre inconnue, c'est un peu logique, non? Donc peut-être que comme à la fin du premier opus de l'homme fourmi, il va revenir tout seul comme un grand du monde subatomique. Ouais, mais du coup, en quoi ce sera un vieux message? Peut-être qu'il est parti voir les Avengers, et puis qu'il n'était pas là parce qu'ils étaient encore au Wakanda en train de bader. Et le problème, c'est qu'on n'a toujours pas résolu l'énigme du pourquoi il est heureux. Genre ça, j'en ai aucune idée. Ensuite, comme autre théorie, oui je sais, ça fait beaucoup de théories. Avant que Scott ne plonge dans le monde quantique, Janet Van Dyne lui demande de ne pas s'approcher des vortex temporels car sinon ils ne pourront plus rien faire pour lui. Du coup, je me suis renseigné vite fait sur ce qu'est un vortex temporel et en gros, c'est une sorte de portail qui t'emmène d'un point A du temps, donc le présent, à un point B qui pourrait être soit le passé ou le futur. Et ici, on peut penser que Scott serait entré dans un des vortex temporels dans le monde subatomique. Et de ce fait, il serait revenu dans le passé à je ne sais quel moment de la timeline du MCU, pour se rendre au QG des Avengers, pour d'ailleurs je ne sais quelle raison. Et d'ailleurs, si tant est que cette théorie soit vraie, on peut se dire que les Avengers ont justement tenté de contrôler cette science de vortex temporel. Pour les aider à contrôler cette science, on aurait Bruce Banner, Rocket, si tant est qu'il soit resté sur Terre, on aurait Captain Marvel du coup, et peut-être Shuri si elle n'est pas morte, mais ça m'étonnerait quand même. Et du coup, il se pourrait que Tony Stark meure au début d'Avengers Endgame et qu'on le retrouve par la suite dans les voyages dans le temps. Car ses chances de survie sont au final très très faibles, et que sur Terre, au niveau scientifique, on en a quand même pas mal. Donc alors oui, c'est vrai que c'est pas une fin très très digne pour le grand Iron Man, mais peut-être qu'on aura le droit à une fin plus digne de Tony Stark, d'un Tony Stark qui sera dans le passé ou dans une autre dimension, on ne sait pas. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, si tu veux, tu peux laisser un j'aime infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur Instagram, Twitter, et sur ce, ciao.